إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فإن من المعلوم أن الصراع بين الحق والباطل باق إلى قيام الساعة ولكن منهما أعوان وأنصار هؤلاء يريدون هداية الأمة وأولئك يسعون لإضلالها وهم الأكثرون قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإنك لتحزن ويضيق صدرك وأنت ترى وتسمع عن الكثيرين من أبناء المسلمين وقد انحرفوا عن الطريق القويم وانساقوا وراء دعوات المضللين من الأعداء الظاهرين والمنافقين والذين يختلون الأمة بالدين قال صلى الله عليه وسلم سيخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدين يختلون الدنيا بالدين ويلبسون للناس جلود الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب الحديث وهؤلاء مهما تستروا إلا أنهم مفدوحون بإذن الله قال عثمان بن عفان رضي الله عنه ما أصر أحد سريرة إلا أظهره الله عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه وسبيل الحق واضح وجلي وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض سبحان الله craignez الله Et sachez que parmi les choses qui sont connues de la religion, c'est qu'il y aura toujours une lutte et un combat entre la vérité et le faux. Le combat entre la vérité et le faux demeure jusqu'à l'heure du jugement dernier. Et donc, il y a des gens qui défendent la vérité et il y a les gens qui sont contre la vérité et qui défendent le faux. Et il y en a qui veulent la guidance pour la Oumma et qui font des efforts pour arriver à la guidance. Et il y en a d'autres qui veulent égarer la Oumma et ce sont les plus nombreux et ce sont malheureusement eux qui sont en majorité. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Et si tu obéis à la plupart des hommes sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. » Et donc, tu peux t'attrister et tu peux avoir le cœur étroit du fait de ce que tu vois et de ce que tu entends de la part de beaucoup d'entre les musulmans qui ont dévié du droit chemin et qui ont suivi les gens qui appellent à l'égarement parmi les ennemis de l'islam qui sont apparents ou ceux qui sont hypocrites parmi les gens qui sont à l'intérieur des musulmans, à l'intérieur des rangs de l'islam et qui se cachent pour égarer les autres et qui appellent à l'égarement alors qu'ils se disent musulmans parmi les hypocrites.
Et donc, ils essaient de dégarer les gens dans la dunya en utilisant la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé que des gens vers la fin des temps allaient essayer d'utiliser la religion pour égarer les gens dans la dunya. Et ils portent les vêtements, ou là, ils portent une peau de brebis, hein, pour montrer qu'ils sont doux, mais en réalité, leurs cœurs sont des cœurs de loup. Leurs langues sont plus douces que le miel quand ils parlent. Mais la réalité, c'est que ce sont des loups à peau de mouton. Et donc, peu importe comment ils peuvent se cacher, ils seront toujours démasqués et dévoilés par la permission d'Allah. Comme Uthman ibn Affan radiallahu a dit, si quelqu'un essaie de cacher quelque chose en lui, de son égarement ou de sa bid'a, Allah subhanahu wa ta'ala va le faire paraître par son visage et par sa langue. Et la voie de la vérité, elle est claire. Elle est claire. Et c'est de suivre le livre d'Allah et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et voici mon droit chemin dans toute sa droiture et sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les sentiers qui vous diviseront de son chemin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ai laissé deux choses, tant que vous restez accrochés à ces deux choses, vous n'allez jamais vous égarer, c'est le livre d'Allah et ma sunna. Et ils resteront toujours ensemble jusqu'à ce que vous me visitiez ou jusqu'à ce que vous veniez me retrouver au bassin Al-Hawd, au jour de la résurrection. Inna alladhi yatafakkaru fi ahwal al-alam al-islami yara annahu ibtuliya bi ahzab wa firaq wa jama'at muta'addidat al-ahdaf wa shi'arat tad'i al-islah fi zahiriha wa batiruha as-sum az-zu'af mutabayyina في آرائها متنوعة في منها في مناهجها متفقهة على كيد الإسلام وزعزعة عقائد المسلمين في حقيقتها وعلم ذلك من علمه وجهله من جهله والواقع الذي يقفون خلفهم والواقع أن الذين يقفون خلفهم ويمولونهم هم الذين وضعوا الخطط السرية لإفساد العالم واستعباده وسرقة ثرواته وهدم مقومات شعوبه وإبعاد المسلمين عن دينهم وهذا ديدنهم منذ القدم وقد حصلوا على كثير مما يريدون ولا يزالون جادين في تنفيذ مخططاتهم مستخدمين وللأسف أبناء المسلمين ممن لم يوفقوا للخير بوعود وأماني كاذبة فقط ليقضوا بهم غرضهم وهو إفساد البلاد والعباد وإثارة الفتن فيها لتكون لقمة سائغة لهم ولنتناول ما يجري حولنا مما تبدلت أحوالهم مما يحبون إلى ما يكرهون وها هم الأعداء يترقبون ويتحينون الفرص لعرض الحماية والوصاية ومعلوم ما بعدها ومع ذلك نسمع من يرددون الربيع العربي إنه ربيع للذين دبروه يقفون خلفه أما العرب فإنه محنة لهم لا ربيع قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله الذي سمى هذه الثورات ربيعا هم الكفار الذين أوقدوها فهو ربيع لهم وليست ربيعا للمسلمين وإنما هي فتنة عمياء وضلالة شنعاء أسقطت دولهم وفرقت جماعتهم ودمرت ديارهم واقتصادهم وشردتهم عن بلادهم سيهتاد الله Sachez que celui qui réfléchit sur l'état du monde musulman actuellement et qui voit toutes les épreuves
que les musulmans subissent en voyant les différents groupes, les différents partis qui ont des objectifs différents et des slogans différents et qui prétendent vouloir la réforme et qui en apparence essaient de montrer qu'ils appellent à l'islam alors qu'en réalité ils appellent à des opinions et à des voies et à des méthodologies différentes. Et souvent ce sont des ruses contre l'islam et contre les musulmans et contre la croyance islamique authentique dans la réalité. Celui qui le sait, alhamdoulillah pour lui, et celui qui l'ignore, eh bien, tant pis pour lui. Et c'est pour cette raison que c'est de notre devoir de faire connaître et de faire comprendre la réalité de ces groupes et de ces partis soi-disant islamiques ou islamistes qui prétendent appeler à l'islam et qui travaillent en réalité contre les musulmans pour les égarer et pour les faire suivre les voies du kuffar, Allahu musta'an. Et donc la réalité, c'est que derrière ces groupes, il y a des gens qui les financent. Et c'est eux qui font les plans en arrière, qui font les plans secrets pour corrompre le monde musulman et faire tomber les musulmans dans l'esclavage et leur voler leurs richesses et les éloigner de leur religion. Et ça, ça a toujours été leur plan depuis longtemps. Et ils ont réussi à obtenir une grande partie de ce qu'ils voulaient. Et ils continuent à exécuter leurs ruses et leurs plans et leurs complots en utilisant même des musulmans parmi les fils des musulmans aujourd'hui dans les pays musulmans, ceux qui n'ont pas été guidés au bien et qui ont été trompés par des faux espoirs pour arriver à leurs objectifs, pour corrompre les pays musulmans et les musulmans et faire des tribulations et des problèmes dans les pays musulmans pour qu'on devienne une bouchée facile pour eux. Et on regarde qu'est-ce qui s'est passé dans les différents pays musulmans et on voit ce qu'ils ont appelé le printemps arabe. Et ils répètent printemps arabe, mais en réalité, ce n'est pas un printemps arabe pour les musulmans. Comme le cheikh Saleh Al-Fawzan a dit, ils appellent ce qui s'est passé comme révolution dans les pays musulmans un printemps arabe. Mais c'est un printemps pour les koufars, parce que c'est eux qui ont allumé le feu de la fitna. Mais ce n'est pas un printemps pour les musulmans. Ce n'est qu'une fitna aveugle et de l'égarement qui ont fait tomber des états, qui ont divisé des peuples, qui ont détruit des demeures, qui ont détruit des économies et qui ont fait des expulsions de réfugiés et de peuples par millions. قال الإمام ابن باز رحمه الله في معرض حديثه عن غزو اليهود لبلاد المسلمين إن اليهود لا يألون جهدا في إفساد عقائد المسلمين في أخلاقهم وعقائدهم ولليهود مطامع في بلاد المسلمين وغيرها ولهم مخططات أدركوا بعضها ولا يزالون يعملون جادين لتحقيق ما تبقى وهم وإن حاربوا المسلمين بالقوة والسلاح واستولوا على بعض أرضهم فإنهم كذلك يحاربونهم في أفكارهم ومعتقداتهم ولذلك ينشرون فيهم مبادئ ومذاهب ونحلا باطلة كالماسونية والقديانية والبهائية والتيجانية وغيرها. Donc le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, il explique quand il parle comment les différents groupes de juifs essaient de combattre les pays musulmans. Et il dit les juifs continuent à faire des efforts pour corrompre la croyance des musulmans et corrompre leur comportement. Et on voit qu'ils ont des intérêts et des désirs dans les pays musulmans. Ils ont des complots qu'ils essaient d'implémenter. Et certains, ils ont réussi à les implémenter. Et ils continuent à faire des efforts pour faire en sorte que le reste soit appliqué également. Et ils continuent à combattre les musulmans par la force des armes et à prendre même des parties de leurs terres. Et sinon, ils continuent contre eux leur lutte et leur guerre idéologique avec toutes sortes de fausses croyances qu'ils propagent et qu'ils diffusent dans les pays musulmans.
comme la franc-maçonnerie, la voie des Qadianiyya, Ahmadiyya, et justement ils ont ouvert une nouvelle mosquée à Montréal, la secte qu'on appelle la secte des Ahmadiyya, Al-Qadianiyya, sur le boulevard Saint-Michel. Et cette secte, c'est la secte qui suit celui qu'ils prétendent être un nouveau prophète, Ghulam Ahmad, qui est né en Inde, hein, dans les années 1800, et ils croient que c'est un prophète, et il est venu. Hein, ils ont ouvert une mosquée, ou qu'est-ce qu'ils prétendent être une mosquée, dans l'est de Montréal pour appeler les musulmans à les suivre. Et ces gens-là ne croient pas en la sunna, et ils prétendent qu'ils ne font que suivre le Coran, et ils rejettent la foi en le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, et qu'il n'y a pas de prophète après lui. Et tous les ulamas de l'islam dans le monde les ont déclarés mécréants à cause de ça. De même que ceux qu'on appelle les Baha'i et des Turuq Soufiya qui s'opposent aux croyances islamiques comme la Tariqa Tijaniya et beaucoup d'autres Turuq de Bid'a également. « Inna haqiqat al-ma'raka allati yashunnuha a'da al-islam umuman fi kulli makan hiya min ajli al-aqida wa qad yahtassuna fima baynahum لكن يختصمون فيما بينهم ولكنهم يقفون جميعا في المعركة ضد الإسلام والمسلمين فهل ندرك هذا الخطر ونتقيه يا من تدعون الدعوة إلى الله وإصلاح الأوضاع وتوجهون التهم والطعون لإثارة العامة والرعاة ضد ضد حكام المسلمين وتعلمون ما يترتب على ذلك من مفاسد وها هي الأدلة قائمة وتتعامون عما تنعم به بلادكم من الأمن والخير العميم وما تنشره من دعوة صادقة وإغاثة مجزية في أنحاء المعمورة إنكم بهذا العمل تقدمون أكبر خدمة للأعداء وما من شك أن كلا سيحصد ما زرع ولا يظلم ربك أحدا قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. La réalité, mes chers frères, serviteurs d'Allah, c'est que cette guerre que font les ennemis de l'islam en général, partout, c'est uniquement à cause de la croyance et de la aqida de l'islam. Et ils se disputent entre eux, c'est-à-dire les koufars et les ennemis de l'islam, tu les trouves en train de se disputer entre eux. Mais en réalité, quand c'est le temps d'être contre l'islam, ils se mettent tous unis contre les musulmans. Et n'avez-vous donc pas compris donc le danger qui nous guette? Approchez-vous un peu. Faites de l'espace pour ceux qui vont arriver, surtout ceux qui sont en arrière. Il y a donc ceux qui prétendent appeler à l'islam parmi les différents groupes qui existent actuellement, et en particulier ceux qu'on appelle les frères musulmans, al-Ikhwanul Muslimoun, parce que c'est eux qui ont fait beaucoup de fitna dans le monde musulman, qui prétendent appeler à Allah et qui prétendent vouloir réformer et qui accusent les dirigeants dans les pays musulmans et les attaquent et les critiquent pour essayer de faire en sorte que les gens du commun se révoltent et fassent des révolutions contre leurs dirigeants. Et vous savez les conséquences qui découlent de cela, comme différents méfaits, et tout ce qui est arrivé dans les pays musulmans dernièrement est une preuve contre vous. Vous voyez les conséquences de ce qui s'est produit, et la destruction et le désordre qui en a découlé. Comment pouvez-vous continuer à donc agir ainsi et à suivre cette voie qui contredit la voie du Coran et la voie de la Sunna? Et donc, vous avez rendu le plus grand service
aux ennemis de l'islam en agissant ainsi. Et chacun, bien entendu, va récolter ce qu'il a semé au jour de la résurrection. Et ton Seigneur ne fait d'injustice à personne. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et le jour où chaque âme trouvera ce qu'elle a fait comme bien présent devant elle, et ce qu'elle a fait comme mal. Et certains souhaiteront qu'il y ait une grande distance entre eux et ce qu'ils ont œuvré. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous met en garde contre lui, vous met en garde contre lui par lui-même. Et Allah est certes indulgent envers les serviteurs. قال معالي الشيخ الدكتور صالح ابن عبد الله بن حميد رحمه الله وكان إماما وخطيبا في المسجد الحرام قال حفظه الله إن من العقل والحكمة إدراك أن أعداء الإسلام والمتربصين به يقفون موقفا صارما من كل دعوة تدعو إلى الحق وإلى الرجوع إلى أصول الإسلام وثوابته ومبادئه وحقائقه التي تبعث روح العزة في الأمة وتقود إلى المجد والمنعة حتى قال قائل منهم إننا لا نحارب الإرهاب ولكننا نحارب من أجل أن نقرر الإسلام الذي نريده. Un des imams de la mosquée de Al-Haram, qui fait la khutba à la Mecque, il a dit dans un de ses discours que la raison et la sagesse, c'est de comprendre que les ennemis de l'islam, et ceux qui guettent les musulmans pour leur faire du tort, ils se tiennent tous ensemble et ils sont fermes contre toute personne qui appelle à l'islam qui est véridique. Et qui appelle les musulmans à revenir au fondement de l'islam et à ses principes et à sa réalité et qui essaie d'insouffler l'âme de la fierté dans la Ummah pour qu'elle revienne à sa grandeur et à sa force. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux a même dit, nous ne faisons pas la guerre au terrorisme, mais nous faisons la guerre pour que nous puissions établir l'islam que nous voulons. C'est-à-dire l'islam que nous voulons établir. Hein? Et donc, il est certain et il est clair que parmi les musulmans aujourd'hui, les musulmans qui ont le plus combattu ce qu'on appelle le terrorisme et les voix des groupes d'égarement parmi les groupes des khawarij contemporains et tous ceux qui suivent leurs tendances. Et on a mentionné déjà plusieurs fois la tendance des Ikhwan al-Muslimoun, les frères musulmans, et tous ceux qui ont découlé de ce groupe, comme les Al-Qaïda et Daesh, et les autres groupes de Khawarij qui les suivent. Et ça fait rire certains parmi les idiots ou les ignorants. Mais la réalité, c'est que ceux qui connaissent la Aqida de l'islam et du Tawhid et de la Sunna, et qui ont lu les livres des Salafs, la Aqida des imams, l'imam Ahmed et les autres grands imams d'Ahl Sunnah, ils savent comment les premiers qui ont mis en garde contre ces groupes-là, les groupes de Khawarij, ce sont les gens qui ont suivi la aqidah des salafs et la aqidah salafiyya. Et les kuffars qui disent qu'ils font la guerre au terrorisme, ils ne font pas la guerre aux Khawarij. Et ils ne font pas réellement la guerre à ces groupes qui sont responsables de qu'est-ce qui se passe comme terrorisme. Ils font la guerre à ceux qu'ils appellent les salafistes et ils les accusent d'être les terroristes. Alors que les seuls qui combattent réellement les terroristes et ceux qui font du terrorisme au nom de l'islam, les Khawarij, ce sont les salafis. Donc comment tu peux comprendre qu'ils s'attaquent aux salafis alors que ce sont les salafis qui défendent la pureté de l'islam et de la sunna et qui combattent les Khawarij, tandis que les Khawarij rentrent et sortent comme ils veulent et font qu'est-ce qu'ils veulent dans le monde, et ils sèment le désordre dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans, et eux sont laissés en paix.
même s'ils les critiquent de façon extérieure, mais en réalité, c'est eux qui les ont financés et c'est eux qui les ont aidés depuis le début. Et ils continuent. Donc la réalité, c'est comme le cheikh il l'a dit, ils veulent en réalité créer un islam qui va être en accord avec leurs intérêts. Et ils utilisent pour ça toutes les sectes d'égarement et les groupes déviés. Comme je vous ai mentionné, les frères musulmans et les différentes sectes soufia et les différents groupes comme les Qadianiyya et tous ces groupes d'égarement, ils les utilisent pour dire aux musulmans, voici l'islam qu'on veut. Non pas l'islam qui est dans le Coran et dans la Sunna et dans la compréhension des salafs, mais l'islam qui a été fait ou suivi par ces groupes de bid'ah et ces groupes d'égarement. Et c'est ce qu'ils font et c'est ce qu'ils disent, Allahul Musta'an. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله اعلموا أن الدين الإسلامي واللغة العربية هما الهدف الأساسي للأعداء الذين هم أصل كل فتنة وبلاء ووراء كل بؤس وشقاء وفساد في الأرض وهم موقد الحروب في كل مكان. قال تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين إنهم لا يزالون على مبادئهم وأهدافهم. في عصرنا الحاضر أصبحوا أقوى نفوذا وأدق تنظيما وأحكم سيطرة على العالم الإسلامي وما ذاك إلا بسبب ضعف المسلمين وتخاذلهم عن واجبهم وتسلط سفهائهم وكثرة النزاعات بينهم وركونهم إلى الدنيا وزخرفتها. Serviteur d'Allah, sachez que la religion islamique et la langue arabe sont les deux objectifs fondamentaux que les ennemis essaient d'attaquer. Et ce sont eux qui sont derrière toutes les épreuves et les tribulations qui se produisent dans le pays, dans les pays musulmans. Et qui sont derrière tous les malheurs et tout le désordre qui se passe sur la terre. Et toutes les guerres, c'est eux qui les allument partout. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, chaque fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint. Et ils sèment le désordre sur la terre et Allah n'aime pas ceux qui font le désordre. Et ils continuent à essayer d'atteindre leurs objectifs et de suivre leurs objectifs. Et à notre époque, ils ont réussi à devenir plus forts dans leur exécution de ces plans, et encore plus subtils dans la façon de les organiser. Et leur contrôle du monde musulman est encore plus fort. Et la raison de ça, c'est uniquement à cause de la faiblesse des musulmans, et à cause du fait qu'ils se sont, ils ont délaissé leurs obligations. Donc quand on critique et qu'on mentionne le rôle des kuffars dans la situation qui arrive aux musulmans actuellement, ce n'est pas pour disculper que les musulmans ont une part de responsabilité dans la situation dans laquelle nous sommes. Pour dire, nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes à cause de nos ennemis. Mais le premier responsable, c'est nous-mêmes. Parce que si nos ennemis sont capables de faire ce qu'ils sont capables de faire avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'on leur laisse la chance de le faire, parce qu'on a délaissé la réalité de notre religion et de nos obligations religieuses, et parce qu'on laisse la place à toutes sortes de divisions et de différentes fractions de nous diviser, et on est attiré par les belles choses de la vie d'ici-bas jusqu'à oublier l'au-delà. Et pour terminer cette khutbah,
J'aimerais uniquement faire une présentation du programme des cours qu'on a à la mosquée ici, parce que beaucoup de gens ne sont même pas au courant qu'on a un programme d'enseignement de l'islam. Depuis des années, on continue cette da'wa à Montréal. Et ici à la mosquée d'Ounouraine, il y a plusieurs cours par semaine. Le samedi et dimanche, le lundi et le mardi, et le jeudi et vendredi, et même toute la semaine presque. Le samedi, on a un cours après le dhuhr, qui est le cours de Al-Usul al-Thalatha, l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Al-Usul al-Thalatha. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui est le mujaddid, le réformateur de l'islam, depuis l'année 1800 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est grâce à sa da'wa et à son appel que l'islam a été purifié de toutes sortes de superstitions et de fausses croyances et de pratiques d'innovation dans le monde musulman. Les gens dans les pays musulmans qui adoraient des tombes, qui adoraient des saints, qui priaient à des morts, et puis qui, grâce à la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, aujourd'hui ont connu la réalité du tawhid et de l'unicité d'Allah, et ont délaissé les innovations de la fête de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la bid'a du Mawlid al-Nabawi, et beaucoup d'autres bid'a qui ont été ramenées par différentes sectes, comme la secte des Shia Rafida, et la secte des Soufis, et beaucoup d'autres. Et donc le livre de Al-Usul al-Thalatha, c'est le livre qui nous enseigne qui est Allah, qui est son prophète, et quelle est sa religion. On a également, après la prière de Asr, un cours basé sur le livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui s'intitule Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafatu Ashab al-Jahim. Et c'est un livre de Ibn Taymiyyah qui explique et qui donne les fondements et les preuves que dans l'islam il est interdit d'imiter les non-croyants et les gens de l'enfer. Mais il l'explique d'une façon vraiment approfondie. Et on étudie ce livre avec les explications du Cheikh Saleh Al-Fawzan. Le dimanche, après la prière de Dhuhr, on a un cours de fiqh qui s'appelle Adab al-Mashi ila Salat et qui explique les règles de la salat, du jeûne et également de la zakat. Après la prière de Asr, on a un cours sur la aqida et le manhaj, qui est en fait l'explication de la aqida de deux parmi les imams des salaf, l'imam Abu Hatim al-Razi et l'imam Abu Zur'a al-Razi. Et on le lit avec l'explication d'un des grands ulama de notre époque, qui est le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. On a un autre cours également le lundi et le mardi. Le mardi, c'est après le dhuhr, qui est la clarification des choubouhats et des ambiguïtés au sujet du takfir et du djihad, pour réfuter les gens qui ont dévié dans la compréhension de l'islam parmi les groupes de khawarij et qui font le takfir des musulmans et qui prétendent faire le terrorisme au nom du djihad. Donc on a ce cours le lundi et le mardi après le dhuhr. Et après l'asr, on a le lundi et mardi l'explication du livre Umdatul Ahkam, qui est un livre de hadith qui explique les règles de la religion et du fiqh. Et ce sont des hadiths tirés de Al-Bukhari et Muslim, avec l'explication du Cheikh Abdullah Al-Bassam. Et le lundi, mardi, mercredi, on a un cours d'arabe. On explique la grammaire avec le livre de l'imam Al-Ajurum, Al-Muqaddimatul Ajurumiyya. Et ça, c'est un cours qu'on donne lundi, mardi et mercredi le soir, et le vendredi également, pour ceux qui sont plus avancés. Et on fait des cours également, on écoute des audios, des ulama en arabe, le jeudi soir, chaque jeudi, on se réunit pour ça. Et donc ça, c'est pour montrer que cette mosquée, elle est établie sur un manhaj, une méthodologie, une voie claire, une aqida claire. C'est pas sur n'importe quoi, on n'écoute pas n'importe qui et on suit pas n'importe qui non plus. On sait qui on suit et on sait qu'est-ce qu'on écoute et on sait les livres qu'on lit, on les choisit, pas n'importe quel.
De même qu'on a un site internet qui est relié à tous les cours qu'on a donnés depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, qui est le site Salafi de Montréal. www.salafidemontréal.com, où il y a plus que 2000 cours enregistrés en arabe et en français sur les livres de l'aqida des ulama dans le fiqh, dans l'aqida, dans le manhaj, dans le tafsir, dans le fiqh et dans beaucoup d'autres sciences. Et donc tous ces cours-là sont disponibles et sont en arabe et en français pour ceux qui veulent apprendre. Parce qu'il y en a qui se limitent à comprendre la religion en venant juste pour la prière de Jumu'ah, écouter la khutbah de l'imam. Et ça, c'est pas suffisant pour comprendre réellement la réalité de qu'est-ce que c'est l'islam, la aqidah de l'islam et le manhaj de l'islam. Il faut donner du temps pour étudier sa religion aussi. Pas juste la dunya, pas juste travailler, manger, dormir. La vie, on n'a pas été créé. Allah nous a pas créé dans la vie pour ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc ça c'est très important. Et donc le site internet, il est disponible. Tous les cours qui sont dessus sont gratuits. Et vous pouvez les télécharger et les écouter dans vos téléphones intelligents. Et donc ça c'est juste pour vous donner un exemple des efforts qu'on fait pour cette da'wah à la mosquée de Nouray. Même si c'est une petite mosquée, mais on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre dedans beaucoup de baraka. Et on espère que dans l'avenir, elle s'agrandira, inshallah, et que cette da'wah va se propager de plus en plus. Et alhamdulillah, on n'est pas seul sur cette voie. Il y a des musulmans qui suivent la compréhension des salafs et la voie des salafs partout dans le monde. Ici à Montréal, il y a d'autres mosquées qui sont sur la même voie que nous. La mosquée Farouk. Il y a à Toronto les frères qui appellent à la da'wah salafia aussi. Il y en a aux États-Unis, dans plusieurs grandes villes. Des gens qui partent étudier l'islam à Médine, la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à Mecca, en Arabie Saoudite, et qui retournent dans leur pays pour appeler à Allah et appeler à l'islam. Il y en a en France, en Angleterre, en Belgique, sans compter les pays musulmans, où des gens appellent à la voix des salafs et à la voix du Coran et de la Sunna et la compréhension de l'islam et de la aqidah partout dans le monde, dans les pays arabes et dans les pays non arabes aussi, et qui font des efforts pour contrer et combattre les bid'ah et les égarements qui sont propagés dans l'islam par des groupes d'égarements à l'intérieur des rangs de l'islam ou bien également parmi les ennemis de l'islam de l'extérieur qui essaie de faire des problèmes à l'islam et aux musulmans. Ayant dit ça, vous êtes tous bienvenus à venir assister à ces cours et à participer. Si vous ne pouvez pas venir physiquement, ces cours-là sont rediffusés même sur la radio en ligne. Ça veut dire que vous avez juste à télécharger l'application MixLR et vous pouvez vous connecter à la radio de la mosquée de Nouraïn et écouter les cours en ligne, en direct. Si vous ne pouvez pas. Et si vous ne pouvez pas l'écouter en direct, vous pouvez retélécharger les cours qui ont été faits par la suite en les téléchargeant et en les écoutant sur votre téléphone. Et même les khutbah, chaque khutbah qu'on a fait depuis le début, elles sont toutes enregistrées et elles sont toutes disponibles sur le site internet de la mosquée. Ayant dit ça, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم